Revoici dans Sonic Generations. Ici Vic Viper, et nous allons devoir relever des défis avant de pouvoir passer à la partie suivante du jeu. Dans mon premier let's play de Sonic Generations, je faisais en général genre 3 défis plus une zone. On va voir ce que je vais faire, peut-être que j'en ferai 5, admettons, vu qu'il n'y a pas la limite de YouTube d'antan. Et surtout, j'ai une meilleure connexion. Alors, oui, les personnages vous permettent de les personnages juste devant les zones ici vous permettent d'avoir des petits indices ou des petites astuces. Genre par exemple, où vous pouvez avoir des étoiles rouges. Des ring étoiles rouges, pardon. Pardon, Taze. Eh bien, nous allons pouvoir... Alors, il faut pour récupérer cette clé, il faut... Ouais. Pour avoir une clé, la barre protectrice doit être retirée en terminant l'un des défis, soit dans l'acte 1, soit dans l'acte 2. Et il faut 3 clés. Donc, ouais, il faut... Ouais, en gros, oui, il faut faire 3 défis. Ouais, je pense que je vais en faire même plus que ça. Voyons voir ce qu'on a. Aussi, ces versions de niveau sont différentes de du niveau principal. Donc, c'est un peu du nouveau level design. Et je crois avoir souvenir que ce niveau-là en particulier, j'en ai un bon souvenir, principalement parce que la musique est différente. Parce que, oui, il va y avoir des musiques différentes. Et je crois savoir laquelle ça va être. Ouais, c'est celle que je croyais. Oh, ok, c'est bon. Mais c'est pas juste, il a un avion, merde! Ouais, pour le meilleur jeu Sonic pour le 5e anniversaire de Sonic, c'est-à-dire... Non, c'était pas le 5e anniversaire de Sonic à ce moment-là, même si je pense qu'il était pas célébré à l'époque. Sonic Air, Sonic R. Même si je pense que les gens détestent, entre guillemets, détestent ce jeu juste à cause des mimes. Honnêtement, je trouve pas que Sonic Air était réellement mauvais. Je pense qu'il faut voir ça avec les yeux de l'époque. Faut se dire, à l'époque, bon, les jeux étaient sympatoches, on peut pas s'attendre à un gros chef-d'œuvre à tous les coups. Bon, surtout avec Sonic. Bon, en tout cas, je suis content de voir que l'IA n'est pas comme dans, admettons, un Mario Kart Mario Kart Double Dash ou Sonic Rivals. Parce que dans ces jeux en particulier, quand vous étiez devant avec une grande avance, l'ennemi avait la sale manie de revenir en trombe vers la fin. Et quand c'était vous qui étiez trop derrière, il faisait semblant de jouer comme une bite. Non, on va pas réessayer. Attends, j'ai eu un S. Et c'est par... D'ailleurs, c'est pareil pour F0GX. Eh bien, nous avons... Maintenant, nous avons la clé. Mais je vais quand même en faire certains autres des défis. Ouais, parce que là, les défis sont même différents en acte 1. Acte 1, défi 1. Ouais, on va pas faire de course. Voyons voir ce qu'il y a d'autre. Je parlais aussi de Sonic Rivals. J'y ai pas joué, mais j'ai pu voir des... J'ai pu voir des images, j'ai pu voir des vidéos et tout. Donc ouais, donc j'ai vu à peu près ce que ça donnait quand l'IA était vraiment derrière et que tout d'un coup, whoop, elle revient d'un coup devant. Prends les super chaussures pour arriver à l'arrivée. Pour arriver à l'arrivée, attends. Ouais, bon, c'est à peu près la même chose, mais admettons. Et genre, je crois que. Ok. Ouais, ça sert à quoi d'avoir les chaussures si au final le spin dash il sert d'alternative. Je crois que je suis supposé rester, ouais, je suis supposé rester avec les chaussures tout le long du stage. Ouais, sinon, pourquoi en avoir foutu autant? Ouais, non, non, merde. Il est loin d'être le meilleur joueur de Sonic, hein. Ok, non. Oh non, ok, c'est bon. Ça aurait fait un bon défi, Sidi, hein. Je sais, vous jouez à Brolala, merde. Oh là là. J'aurais dû me déconnecter de Steam quand j'y pense. Oh merde. Oh le con.
Et en plus, l'arrivée va être à 10 secondes, je le sens. C'est 10 secondes que j'ai perdu. Ouais. Et merde. Point de mi-parcours. Ah non, non, ok, je suis pas à mi-parcours. Parce qu'il y a 45 défis dans tout le jeu, je crois. Ouh, admettez, admirez ces clignotements. Voyons voir. Ouh. Ah, oui, c'est vrai que ça donne des illustrations quand on récupère la... Enfin, même des illustrations, même aussi des musiques. Ah, reviens là. Chanson Splash Hill Zone. C'est la musique de Sonic 4. Ouais, là, je vais pouvoir la voir, j'imagine. Ah, pas moyen de passer plus vite. Ok, non, on est tout à la fin. Ouais, aussi dans Sonic. Dans Sonic, la musique a changé en acte 2. Bon, un peu comme. Un peu, bon, c'est comme Sonic 3. Bah, d'ailleurs, vu que j'ai récupéré un skill, je vais pouvoir l'assigner maintenant. Ah, c'est comme dans Secret Rings. Bah, non, normalement j'ai déjà. Alors, personnalisé. Frein puissant. Arrête tout à net, peu importe la vitesse. Ok, d'accord. Je crois que... Ouais, changer de personnage, c'était peut-être sur ça. Non, non, ok. C'est ça que j'avais récupéré, j'en doute. Ou alors c'est que maintenant il est disponible dans la boutique et je dois l'acheter après. Super la récompense. Enfin, bon, maintenant on va se diriger à Chemical Plant. Oh! Et... Metal Sonic a... l'émeraude. Alors allons la récupérer cette émeraude. Je crois qu'il acceptera de parler que au Sonic Classic. Ouais, c'est le rival du Sonic Classic. Et je peux changer la musique. Ah, je peux mettre Splash Hill Zone du coup. Ah, c'est bien ça. Eh bien allons-y, on va tabasser du métal. Steel Sonic City. Ouais bah si seulement tu pouvais faire ça hein, dans ton jeu. Ah, cette musique est trop cool. Ouais, ça va être une course à peu près. Voilà. Ouais, c'est un peu un combat cinématique pour le coup. Pour le moment en tout cas. Ok. Ah, j'avais presque. Je pouvais le toucher à ce moment-là. Ah, pff. Sonic CD, c'est vraiment la même. Enfin, faut dire que je n'ai pas. Oh merde. Faut dire que je n'ai pas d'avis spécialement définitif sur le 3. Et sur le 2 non plus. Sans déconner encore, par contre j'ai fini multiples fois. Même si les niveaux spéciaux. Oh merde, les niveaux spéciaux. Bon, en général, oui, la raison pour laquelle Sonic 2, j'accroche pas complètement, c'est à cause des niveaux spéciaux. Les niveaux spéciaux de Sonic 2, j'ai envie de me tirer une balle à chaque fois. Oh. Ah. Je l'ai eu. Ah, ça me rappelle de bons souvenirs de Sonic 2006. Oh, mais qui y a-t-il à l'horizon? Serait-ce un S? Exactement. T'es parti dans le décor, Sonic, et tu flottes. Constellation du crépuscule. Mais non, toi, la princesse. Oh, la chaos émeraude est à moi. La légende dit que réunir les sept provoquera l'apparition d'une mystérieuse force. La légende! Bien sûr, la légende, on l'a vécu pendant 15 ans. Bon, 20 ans maintenant. Laissez-moi faire un truc. Voilà.
fix solution for Sonic Generation? Quoi? Je sais pas. Bon, voyons voir. Maintenant, nous devons récupérer les autres clés. C'est quoi ça, les boîtes? Défi bouclier à quoi? Oh, le bouclier à quoi? Il est sympathique en plus. Des boucliers qui apparaissent dans le Sonic 3 pour la première fois. Alors. Voilà. En gros, comme la Bounce Attack de Sonic Adventure 2. Ok, je passe au travers de ça. Si même les bulles vont m'attaquer aussi, je suis avec vous les gens. Ok, non, par ici. De toute façon, je rappellerai un peu mon avis des Sonic quand on... Wow, du calme, non. Je rappellerai un peu mon avis des Sonic quand on arrivera au 10 Sonic, genre par exemple Sonic Adventure, on y arrivera à ce moment-là, avec Speed Highway. Même si j'aurais préféré qu'ils mettent Lost World. Et par là, je veux dire le niveau, hein, pas le jeu, parce qu'il y a un niveau qui s'appelle Lost World. Ou... Ouais, je crois que c'est ça, comme ça qu'il s'appelle. Oh, wow! Ok, j'ai perdu le... J'ai perdu... Non! Non! Zut! Stupide boule de pique! Ah! Fuck! Encore une fois pour 10 secondes! Il y en a marre, merde! Pourquoi il y a une différence aussi forte entre le A et le S? Ah, voilà! Alors, donne-moi ça! Merci, illustration. Ah, bah, du coup, je vais pouvoir faire ce niveau! Mais je vais faire ça! Je vais faire ça d'abord, avant de faire un autre défi avec le Sonic moderne. Oh, pitié! Oh non! Oh non, je vais souffrir! À l'aide des gens! Ah, mais viens, merde! C'est super raide! Je m'en servais pas dans Sonic 2, pardon, ouais! Ouais, c'est ça, dégage! Sonic! Oh merde! Les souvenirs me reviennent! Ah là là, cette petite merde volante. Je préfère quand tu as mué dans Adventure. Bon, principalement dans Adventure 2. Merci. Ah. Oh. C'est bon. Je peux mettre cette voix sur Chris Van Dyke de Sonic X. Ça irait bien en plus. Ah non, pour être honnête, je trouve que... Waouh, comment j'ai perdu les anneaux? Je trouve que... La VF de Chris dans Sonic Kicks doit être l'une des meilleures choses qui viennent de la VF, parce que les voix de Chris en japonais... La voix de Chris en japonais me donne envie de me foutre une Chaos Emerald dans les oreilles. Au moins en français il sonne plus ou moins mature. Malheureusement, ouais, il va faire son retour. Enfin, la voix de Chris va faire son retour dans Sonic Generations. Ouais, c'est parti mon kiki. Pour un autre personnage. Et je vais vous dire, ça va pas être joli joli. Mais jubile à l'idée d'arriver là. Du coup on a des... timer qui permettre de récupérer du temps. Allez, ouais. Et vite. Cette fois-ci j'ai 10 secondes d'avance, connard. Ah, bon, cette fois-ci je me suis pas chié dessus, parce que la première fois j'avais envie de l'étrangler ce Tails. Vous savez, parce que... Oh, Toxic Case, c'est quoi déjà? Ça doit être un niveau de Sonic 3, parce que je m'en rappelle plus trop. Wow. Laissez-moi voir. Ah, ok, ça va être au milieu à tous les coups. Non.
Toxic Caves. Ah, c'est Sonic Spinball. C'est le tu 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 tu. Ah, c'est un remix. Ça se sent que c'est pas de la Mega Drive. Ouais, la percussion est un peu trop claire. Et un peu trop clean pour être de la Mega Drive. Eh bien, ah, c'est vrai qu'on a Cassine, on a rien à faire. Bon, vous savez quoi, fuck it. Le Sonic moderne, on va le dropper pour Chemical Plant. On va faire deux Sonic modernes ici. Et on va faire Cassine on Night. Et ensuite le boss. L'inévitable boss. Ah, Knuckles. Trésor enfoui. Appuie sur Y pour que Knuckles déterre des médailles. Ramasse-les, puis franchis la. Ok, d'accord. Je m'occupe de la chasse au trésor. Appuie sur la touche Y quand t'as besoin. Attends. C'est pour moi. Ah, d'accord. Ok. Cette musique, je croyais qu'elle venait de Night, parce que c'était le genre. Sonic. Est-ce que je peux ramasser des médailles autre part? Je pense que oui. Laisse-moi voir. Non. Ça, je crois que cette musique vient de Sonic Jam ou c'est la version Saturn de Sonic 3. Sonic 3D Blast. Ah, c'est bon, j'ai compris. Viens ici, merde. Et shitney. Ah, donnez-moi une seconde. Ok, j'ai eu un petit problème. Et là, je crois que j'ai... Ah non, c'est bon. Ça, c'est clair. Ouais, j'ai un petit problème de framerate, là. Encore une fois, je n'y peux pas grand-chose. Ah, non, reviens là. Reviens là, espèce de... Risson. Ouais, merci. Bon, espèce de risson. Waouh. C'est pas une insulte, là. Ah. On me demandait de faire de la plateforme précise avec ça. Bon, avec Sonic 2006, on peut faire plus ou moins de la plateforme précise, vu qu'il est trop précis. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller par là? Va à gauche. Non, je dois aller à gauche. Attends. Ok, d'accord. Je me suis planté. Oups. C'est pour moi. C'est pour toi, oui. Et mon timer ne reset pas, c'est peut-être pour ça qu'il y a des A et tout. Oh merde, attends, je dois retourner en arrière? Mais ah! Ah, j'ai gagné le gros lot en termes de mission. Pourquoi vous me laissez pas contrôler Knuckles? Simplement! Ça aurait été mieux, je pense. Ouais, ben la flèche, tu me dis pas ce que j'ai à faire, hein. Salope, t'es content de Crazy Taxi? Ah bah voilà, y'en a... Oh bah y'en a des tonnes ici, merde! J'avais raté tout ça. Des tonnes, ouais bon, si on veut. D'accord, une par une, très bien. Non? Ah mais faut être super précis. Oh merde. Au moins il y a plusieurs médailles ici. Ah bah là s'il y en a 5. Putain mais ici s'il te plaît. Je sais que tu peux pas creuser dans le verre. Ah oui, et je dois franchir l'arrivée. Je prends ça, merci. Whoops! Oui! Oh, c'était génial. C'était absolument génial. Oh, vas-y, prends-en un peu si tu veux. Hein, Ouais. C'est bon, je peux passer là. Merci. Ah là, quand je vous dis que c'était un bug, ça. Ouais, j'ai réussi. Wouhou, j'aurais pu faire mieux. Non! Niveau va se faire foutre. Ah. Ouais, mais d'abord... qu'est-ce que c'est que ça? Course alter ego.
non. C'est quoi ça? Allez, c'est parti, je me sens d'humeur à rebondir. Ouais, donc c'est en gros utiliser le Omega Attack. Wow. Ah bah y a pas que des ballons sur ce que... Ah non. Non. Partez les petits. Être le plus rapide dans les airs. Attends, ah j'ai pas à détruire les balles, tous les ballons apparemment. Mais j'ai appuyé sur la gâchette. Ah merde, ma manette 3-6 commence à dérailler. Whoops. Oui, oui. Allez, j'y suis presque. Voilà. Non, non. Là, voilà. Et avec quelque chose sur la droite. Je n'ai aucune idée. Alors. S'il te plaît, reviens! Palm Tree Panic. Oh merde, est-ce que c'est la version européenne ou la version américaine? A tous les coups, ça va être l'européenne vu que j'ai ma version européenne. Donc forcément. Bon, ça doit être vers le début. Wouh! Yay! Effectivement, c'est la version européenne et japonaise. Je me demande si... Je crois que c'est la même chose pour les jeux de cartes avec Sonic. Enfin bref. Du coup... Ouais, je vais t'acheter des trucs si tu veux. Ouais, le bouclier à quoi est là-dedans? Putain, 2500, il se fait pas chier au Mochao. Hein. Alors... On monte la vitesse de Sonic en acte 3. En acte 2, pardon. Il n'y a pas d'acte 3. C'est quoi athlétique? Faire moins de vitesse en gravitant une côte et dans l'eau. Écoute, on se refait pas, le bouclier à quoi est à moi. Et ça va pas être équipé direct, je le sens. Ah ça je prends bien moi. Ça va par contre. Je prends ça, même si ça va être très compliqué pour moi. Qui n'ai pas d'énormes réflexes. Recommence une partie avec des rings. Ok, ça je prends aussi. Attends, mon frein était parti. Ah, c'est que j'ai oublié de confirmer. Il fallait que j'appuie sur start au lieu de retour, je crois. Ouais. Ah, zut. Bouclier à quoi? Ouais, faut ça. Donc ça veut dire que je récupère direct. Je l'ai direct dès le départ, je crois. Ouais, bon. Je pense que je peux récupérer plus de points de compétences en faisant des niveaux. Donc, Casino Night en premier lieu. Un niveau de Sonic 2. On va le faire en Sonic classique d'abord. On va jouer au flipper. Wouh! Ah, d'accord, donc c'est un flipper. Oh merde, j'ai taf trop souvenir de celui de secousse. Quoi? Mais j'ai pas secoué! Fais chier. Ah, d'accord. Donc on contrôle pas Sonic dans ce flipper. D'accord. Non, parce que c'est le cas dans Adventure. On peut contrôler Sonic. Bon, d'un côté, ça faisait la même chose que ici, sauf qu'il n'y a pas de tilt. Ok. Merci. Ah, faudrait que je retourne là-bas. Ah. Je crois pas qu'il y ait de réel intérêt non plus à avoir Super Sonic dans ce jeu.
De toute façon, vous le débloquez après avoir fini le jeu et avoir terminé le boss avec Super Sonic. Vous pouvez revenir dans les zones avec Super Sonic, mais il paraît que l'intérêt est minime. Ah, ok. J'ai jamais été très doué au flipper. Mais au moins, moi je croyais que ça allait être une zone. Je suis un peu déçu pour le coup. Ah, oui, merde. Là, voilà. Je comprends un peu mieux. Ah, pour le moment, appréciez la musique. J'ai juste ça à vous dire. Parce que, bon, par contre, c'est quand même un peu triste que dans certains Sonic, ils vous mettent un casino. Et vous avez pas tout ce qui est Bandit Mancho, tout ce qui est... Bon, il y a Flipper à la limite, mais pas le système de Bandit Mancho. À quoi sert le score d'ailleurs ici? Qu'est-ce que ça va me donner? Ah. Bon, j'arrête pas de passer dans ce cercle là, merde. Bon, merde. Je me demande surtout si ça va être différent avec le Sonic moderne. Putain. Whoops. Ah, donc effectivement, je peux avoir un rang aussi. Ouais, ça considère comme si j'avais un C, j'ai l'impression, avec l'animation. Ou un D. Je sais pas. Allez savoir. Alors, voyons voir avec le Sonic moderne. Ah, ça a l'air différent, enfin, je le crois. Je crois. Ah non, circuler, y a rien à voir. C'est carrément la même chose. Ok, bon, on va quitter. Bon, j'aurais pas vu grand chose de ce flipper. Mais enfin bon, on va pouvoir avoir ce fabuleux boss. Oui, ce fameux boss, vous savez tous de quoi il s'agit. Je doute que, de toute façon, vous n'ayez pas joué au jeu. Ah, attendez. Ah non, c'est l'émeraude ici, c'est supposé être la première, parce que j'ai vu en haut à droite, c'était pas supposé être la même. Alors, ici, c'est le Sonic classique, et c'est le niveau du boss. De quel boss va-t-il s'agir, je vous demande? Ouais, depuis tout ce temps, ils savent pas qu'ils sont ensemble, là. Regarde-toi très attentivement, Sonic. Docteur Eggman? C'est la dernière chose que tu verras avant que je te ferme les yeux une bonne fois pour... Un autre Sonic? Quoi? Attends deux secondes! Ça ne peut être que mes têtes, Sonic! Oh, ça va, t'es plus rapide que lui! Ah, la voix d'Eggman en français, je l'aime bien. Et nous arrivons sur l'arc. Ah non, ce n'est pas là. C'est le Death Egg. Flashback. Non. Non. Ne me tue pas par pitié. Oh merde, ce boss. Ah bah, je pense pas que je puisse. Alors, attendez. Ah, wow. Ah zut. Je vois ce qu'il faut faire. Ouais, j'ai vu ça. T'es pas obligé d'annoncer tes attaques. Et... Non, je peux pas. Pour le moment. Il faut qu'il recule. Ah. Ouh. Ou alors c'était ça. J'avais mal vu. Il faut le massacrer, le popotin. Ouh. Ah, parce qu'au départ, je croyais qu'il fallait marcher sur sa main et ensuite l'attaquer le cockpit.
Ah! Alors, que faut-il faire ici? Que pouvons-nous faire? Je n'ai vraiment aucune idée en revanche ici. Bon, c'est véritablement différent du boss de Sonic 2. D'un côté. Ah, d'accord. Et. Oh merde! Zut! Viens par ici. Ok, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas sur ça qu'il faut que sa main elle rentre. Ok. Alors. Ah, d'accord, peut-être que. Ok, mais d'accord, ça a plus de sens tout d'un coup. Ah, c'est bon, c'est pas. Je suis pas con non plus, mais bon, pas besoin de me foutre ça en QTE glorifié. Ah merde. Non. Fuck you. Ah, la lourdeur. Oups. En quoi? Une autre explosion, ça le fait. Ça fait autre chose, très bien. Bon, non. Non, tu viens pas de faire ça. Je refuse. Ce boss. Non mais, c'est même pas qu'il est difficile. C'est juste que j'aime pas la maniabilité de ce Sonic classique. Ah, merde. D'accord, alors les gens, j'ai réussi à utiliser tous les anneaux de ce terrain. Parce que je suis vraiment aussi. Aussi peu doué que ça. Ah là, allez, saute! Ah, c'est enfin fini, merci! Juste pour avoir un deuxième coup. Non, ça va, du bon. Je pense que j'aurais pu réussir sans me prendre de coups. Juste que je suis pas doué avec la maniabilité de ce Sonic. Ça se voit en plus, hein, j'ai eu qu'un B. Moi, ah, si on veut. C'était pas parfait, non. On dirait qu'il louche la Sonic. Oh merde. Bon, c'est toujours mieux que Sonic 2, on n'a pas d'anneau. Et on doit faire un boss derrière. Oh. Tu me recras pas, connard! Non, je me demande. Oh purée, je crois que j'avais déjà posé la question avant, mais il me semblait avoir entendu cette voix, dans la voix de Eggman dans Dragon Ball GT! Et c'était le dragon à 7 étoiles, je crois. À croire que je sois en double. Sonic, je crois que j'ai compris. Oh pitié! Ouais, moi aussi! Des doubles de nous? Des lieux et des ennemis de notre passé. Nous voyageons à travers le temps et l'espace. Ça vous a pris autant de temps que ça vous en rendre compte? Comment est-ce possible? Je crois. T'as que du blanc autour de toi, Sonic. Un truc qui vient de kidnapper Eggman. Ça ressemble à la chose qui vient de kidnapper tes amis. Je veux dire nos amis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je vois, hein. Même Sonic, j'ai l'impression, Sonic moderne, j'ai l'impression qu'il aurait envie de foutre un high kick à ce putain de renard. Ah, Speed Highway. Il est passé où? Il faut qu'on retrouve cette chose et en vitesse.
Bon, en gros, le scénario, c'est juste une... C'est juste un prétexte pour avoir des transitions entre les niveaux. Qui vaut double votre temps de jeu ? Ironiquement... pas... quand même pas à ce point, mais... c'est l'idée. Ah, l'émeraude ! La véritable émeraude, qui est la seule à avoir une couleur d'émeraude. Eh bien, on peut avoir accès à... Attendez. ça va tellement pas, City Escape, je trouve. Mais bon. Donc nous avons Speed Highway ici. Ah, c'est vrai que j'ai pas de Sonic Modern ici. Nous avons City Escape et nous avons Seaside Hill de Sonic Heroes. Je trouve pas que le choix de niveau était forcément optimal ici, mais bon, allez, on va faire un Speed Highway. Avec notre... Bon, on va commencer par l'acte 1. Parce que... C'est principalement une vidéo pour Sonic classique, donc on va commencer par Sonic classique. Et on va finir par Sonic moderne, parce que je vais finir avec Sonic moderne, en fait. Le premier Sonic Adventure est... Whoops. Et un jeu que j'ai vraiment beaucoup aimé quand j'ai essayé pour la première fois. Et puis ensuite j'ai trouvé que le jeu a droppé en qualité au fil des années. Un peu, c'est un peu comme la réaction qu'a eu les gens face à Sonic Adventure 2 spécifiquement. Parce que bon, ils disaient ouais, il y a que un tiers de Sonic Adventure 2 qui est bien. Alors que en réalité, bah, ça dépend. Moi j'aime bien les mechas. Pratiquement tous les niveaux des mechas et j'aime 80% des niveaux en chasse au trésor. Bon, quoi qu'il en soit, pour Sonic Adventure 1, il profite du fait que le gameplay de Sonic, Knuckles et Tails est à peu près similaire et les niveaux sont aussi à peu près similaires aussi. Moi, ce que je trouve qui est un peu chiant au niveau de Sonic Adventure le premier, c'est que vous avez tous les niveaux de Sonic, ils sont, je trouve, géniaux, à une très bonne difficulté. D'ailleurs, je trouve que le jeu est à son plus difficile avec les niveaux de Sonic, qui sont forcément ceux que vous faites en premier. Malheureusement, wow, ok, je peux m'accroupir. Et ensuite, quand vous faites les niveaux avec les autres personnages, vous vous rendez compte, en fait, ce sont des sales copier-coller. Il y a quelques raccords pour dire, ouais, c'est à peu près différent, mais sinon, c'est vraiment des copier-coller. Et moi, ça me dérange un peu. Parce qu'en plus, ce sont des versions plus courtes. Genre, vous avez 3 sections dans un niveau de Sonic, voire entre 2 et 4 sections dans un niveau de Sonic, et vous en avez qu'une seule avec Tails. Alors que vous faites la course contre Sonic. Ah, merde. Oh merde, du coup ça va me permettre de reparler un petit peu plus, parce que merde. Du coup, Sonic Adventure 1, j'adore les parties avec Sonic, mais je trouve que c'est un peu du gâchis que les autres personnages n'aient pas leur propre niveau. Wow. Et ironiquement, vous allez me prendre pour un fou. Mais justement pour cette raison, la raison du copier-coller et waouh, le gameplay est si similaire avec les autres, mon ordre de préférence au niveau du gameplay, c'est d'abord Sonic, ensuite Amy. Parce que j'aime bien les niveaux d'Amy, je suis désolé les gens, mais justement parce que c'est beaucoup plus varié qu'avec les autres. Avec Tails, c'est Sonic, c'est la même chose, sauf qu'il vole, très bien. Très bien, c'est le même niveau, donc très bien. C'est la même chose en version plus facile. Sans mon problème. Pareil pour Gamma d'ailleurs. Ouais, je mets pas sur le... J'ai pas la même opinion du premier Adventure que celle du second, mais je le respecte quand même. Et puis Big Bird. Big, j'ai envie de lui. Bon, Big par contre, lui, c'est zéro pointé. C'est zéro pointé absolu. Et malgré le fait que j'ai jacassé pendant tout le niveau, voilà. J'ai eu un S. Y'a pas moyen, par exemple, comme dans Sonic 4 épisode 1 et 2, je... Ah non, non, il faut absolument que je passe par le temps de chargement. Ok. Ok. Ouais, vous pouvez voir aussi les petites références. E123 Omega.
S.Shadow Avenue. Ah, j'ai récupéré Green Hill original en musique. Et Blaze. Blaze Hardy. Ouais, bon. Eh, j'aimerais bien jouer Blaze dans ce jeu aussi. Ça doit être la seule partie de Sonic 2006 que j'adore du début à la fin. C'est les niveaux de Blaze. Parce que Blaze est vraiment super à manier dans Sonic 2006. Et j'adore Blaze de toute façon. Ça doit être probablement le, entre guillemets, shitty friend. Le meilleur shitty friend. Bon, le shitty friend qui ne mérite pas d'être appelé shitty friend. Ah, on peut changer les compétences à partir de là. Ah bon. La course est claire, sera dans le prochain acte. La course est claire. Ah, ça, le light dash. Light speed shoes. Let's go. Oh, s'il te plaît. Ne me dis pas que j'étais trop loin. Que j'oublie pas qu'il y a cette petite fonctionnalité de Sonic Unleashed. Techniquement, le boost existe, pas depuis Sonic Unleashed, même pas depuis Sonic Rush, mais depuis Sonic Advance 2. Ah, malheureusement, j'ai pas pu le faire. J'ai fait que le premier Advance. Et désolé, mais moi, je trouve que... Ah, j'ai eu un succès rien que pour ça, tiens. Désolé, moi, je trouve que le premier Advance a des niveaux spéciaux qui sont très bien. Ouais, oh. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Oh, bon, ça n'a pas marché. Très bien. Ah, d'accord, c'est parce que j'avais fait le running attack. Bon. Il y a aussi un truc étrange au niveau du premier adventure. Même au niveau du deuxième adventure. La version Dreamcast a l'air d'être plus jolie. Parce que ils ont changé des... Bon, principalement dans Sonic Adventure DX, la Director's Cut, ils ont changé toutes les textures par rapport à la version Dreamcast. Il y a même certains bâtiments qui n'ont absolument pas l'air pareil. Et étrangement, ouais, ça donne un aspect... Moi, je trouve que l'aspect Dreamcast est beaucoup mieux, même si les Sonic, c'est clair qu'il a beaucoup moins de polygones. Et que le jeu est en 30 FPS sur Dreamcast. Par contre, il y a des baisses sur GameCube. Waouh, 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 du calme. Ne vous retournez pas à cette plateforme. Ça, je crois pas que c'était dans l'original. Je me rappelle plus trop. Ah, oui. Ouais, Speed Highway. Mais il y a pas beaucoup de voitures sur ce. Waouh, waouh. Whoops. J'ai cru voir un anneau rouge, c'est pour ça. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Ah bah tiens, en parlant de voiture... C'est... Ok, très bien. Non. J'ai foncé sur une voiture. Et je m'accroche dessus. La physique pour les noobs. T'as pris des leçons de physique avec Lara Croft? Ah bah voilà, en plus j'étais pas loin de la fin du niveau. Ouais, super. Je dois faire un bonus parfait pour avoir le meilleur monote. Mais je me rends compte qu'avoir le bonus parfait, c'est pas si difficile si on tente pas de sauter partout. Spoiler! Sauter en dehors des limites du niveau peut vous tuer. Ah, super, c'est Grim. Wow! Par contre, le cheese, wow, t'as l'air mort intérieurement. Merci beaucoup de m'avoir sauvé, Sonic. Il faisait tellement noir, mais j'ai essayé d'être courageuse. Oh, merde. Je crois que j'avais plus trop de souvenirs de crime au niveau de sa voix. Ou alors ça passe mieux en 2D, c'est ce que j'ai dû me dire aussi la première fois que j'ai dû jouer à ce jeu. Ça passe mieux en 2D, ça passe mieux en style manga, le niveau des voix.
Ah, parce que peut-être parce que ça fait depuis assez longtemps. Parce que, y a certaines voix aussi qui ont été changées entre deux. Vous allez voir quand on arrivera à Seaside Hill. La voix d'Espio aura complètement changé. Avant, c'était du genre. Je me pince le nez! Et là maintenant, ça va être Steel Ninja. Mais vraiment plus Steel Ninja. Bon, d'un côté, c'est un ninja. Donc, ils ont changé quelques voix pour la VF. Coucou, Scream! Cheese a l'air d'adorer ça. Donc, sur ce, je vais vous laisser. C'était Vic Viper. Et je vous retrouve dans le prochain épisode où nous allons partir pour City Escape, le niveau de Sonic Adventure 2. Au revoir!